Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va, mais c'est pas très beau aujourd'hui, mais c'est pas grave. Moi j'aime pas quand c'est entre les deux, vous voyez, c'est ou soleil ou j'aime carrément la pluie, vous voyez. Et là en fait c'est un peu mi-figue, mi-raisin, on sait pas trop, et c'est entre les deux. Bon bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de la pluie, du ciel et puis du beau temps. Donc on va regarder ce que je peux vous dire. Donc prenez. Vraiment, bah, ce qui vous parle, puis ce qui vous parle pas, bah, vous le laissez. Donc, on va regarder. Donc, on va voir un peu les messages que bah, je peux vous faire passer. Donc, là, il y en a quelques-unes là qui ont sauté, quelques-unes, même plusieurs. Il y a quelque chose qui. On parle de douceur. De douceur, quelque chose vraiment de très doux. Vraiment qui doit vous. Je sais pas, on parle de quelque chose qui vient en douceur, qui vous pénètre, vous voyez. Quelque chose en profondeur, vous voyez. Ça, vraiment, on parle de quelque chose qui. En approche, qui va venir doucement, comment vous dire, tout en douceur, vous voyez? Et c'est quelque chose qui va avoir, c'est quelque chose de très subtil, vous voyez, que peut-être vous n'allez pas remarquer de suite. Après, ça peut être vous voyez, qui allez agir de la sorte, quelque chose, une influence, mais c'est tout en finesse. De la subtilité, mais c'est quand même en profondeur, voyez. Bon, il y a aussi quelque chose, peut-être quelque chose qu'on va vouloir se faire comprendre à quelqu'un. On parle aussi d'essayer de faire comprendre à quelque chose à quelqu'un ou par rapport à de la compréhension. En plus, on parle de qu'on va aller ou qu'on est. En plus, on parle de quelque chose. On ne va pas aller sur de la violence, vous voyez. Donc, on parle vraiment de choses, comme si on veut aller tout doucement, vous voyez. On veut aller en douceur. On ne veut pas braquer. On ne veut pas être dans la violence, vous voyez. On va y aller tout doucement. Donc, prenez comme ça, on vous parle, mais on parle de ça. Hein. Ouais, et j'ai vraiment encore cette approche, vous voyez. Et comme si on allait à tâtons, doucement, doucement. Et comme si tout ça allait vous permettre une avancée. Vous voyez? Comme si. Puis on parle de personnes toujours qui. Je sais pas. Alors ça peut être votre façon d'être, que vous êtes des personnes toujours chaleureuses. Ou chaleureuse, voyez, que aux personnes qui viennent vers vous, vous avez toujours un accueil plutôt sympathique, qui vont vous permettre d'avancer, voyez, parce qu'on parle de choses vraiment tout en douceur, très subtiles, voyez, mais vraiment en profondeur, par contre, voilà. Et comme si tout ça allait vous permettre vraiment d'avancer, voilà, des choses assez prospère, voyez. Ouais, puis on parle aussi de personnes toujours très de bonne humeur, la pêche, plutôt sympathique, hein. On voit toujours les choses de façon plutôt optimiste, hein. Donc voilà. On parle de famille. Donc là, on parle de la famille. Donc on parle d'une famille. Donc on parle d'une famille. Comme si par rapport à une famille, des enfants, les sœurs, les frères, les beaux-frères, enfin tout ce qu'on peut avoir dans sa famille, hein. Ou alors c'est par rapport à une autre famille. Vraiment de quelque chose où on va aller tout en douceur. Je vous disais, hein, une influence très très subtile, hein. Mais
assez dans la profondeur, hein. Comme si on allait être sur de la compréhension dans la famille, les enfants, voilà, les enfants, vos frères, les sœurs, voilà, tout ce que vous avez par rapport à une famille, hein. Et c'est comme si tout ça, par rapport à de la famille, la descendance, l'hérédité, hein, ben, c'est comme si vraiment ça allait avancer, des choses assez prospères qui arrivent dans votre vie, hein. On parle aussi par rapport à l'amour. Donc après, vous pouvez être célibataire. Donc après, ça peut être la rencontre de la personne qui va vous correspondre. On parle qu'on va y aller tout doucement, hein, subtilement, hein, mais on va vouloir aller plus en profondeur. Je vois quelqu'un qui va arriver vers vous, mais qui va venir tout doux, hein. Voilà, ça va arriver tout doux, mais je pense qu'on va vouloir approfondir. Après, pour certains, vous devez avoir quelques, hein, et pour moi, il va avoir une avancée. Sur certains, on parle, je vois quelque chose qui va avancer concernant une vie de famille. Concernant une vie de famille, alors concernant une vie de famille, un couple, il y a un bidule machin truc. Concernant un couple, leur vie de famille, les enfants, les sœurs, papa, maman, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des avancées. Choses qui vont arriver. On parle aussi que concernant des couples, la famille du couple, les enfants, les sœurs, tout ce qu'il y a, il va falloir y aller doucement. Être dans la compréhension pour avancer. D'accord? On parle aussi au niveau, il y en a, on parle d'une certaine communauté. Dans un couple, une vie de famille, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses pour certaines, hein. Certains ou certaines d'entre vous. Donc là, on vous dit d'y aller doucement, hein, de ne pas aller avec de la violence, hein, d'être dans la compréhension, hein. Moi, je vois des choses là, bon. Il y a aussi concernant les relations intimes. Donc, concernant les relations intimes, quelqu'un qui doit y aller doucement, qui doit être dans la compréhension et non dans la violence. Il y a une histoire par rapport à des ancêtres aussi. Et la vie de famille. Parle d'une famille, je vois quelqu'un qui est plutôt, qui est vraiment, qui est vraiment, une famille vraiment humaine, qui a beaucoup de cœur, hein. Plutôt ce qui me vient. J'ai une famille qui est assez tenace, hein. Beaucoup de force, des personnes qui ne lâchent pas. On parle aussi d'ancêtres, on parle du ciel, on parle d'un homme qui est au ciel, un ancêtre assez autoritaire. On parle de certains, un père, pour certains on parle d'un grand-père. On parle d'un père, on parle d'un grand-père qui est au ciel, qui était quelqu'un qui était vachement humain. D'accord?
Et une famille aussi qui a beaucoup d'inspiration. Il doit avoir beaucoup de d'idées, de créativité, voilà. Beaucoup de sources d'inspiration. Il y a quelque chose, c'est familial. On parle aussi de personnes qui arrivent à beaucoup maîtriser les choses. Une maîtrise. Il y a vraiment ce truc qui ressort au niveau de la masculinité. J'ai un père aussi qui a beaucoup de sagesse, quelqu'un qui par contre qui ressort assez autoritaire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui par rapport à un père dans une famille, parle d'une communauté, donc je vois beaucoup de monde autour. Il y a quelqu'un qui doit craindre le père, le papa. J'ai l'impression aussi, par contre, il y a quelqu'un qui ressort sur la douceur dans une famille. Je vois quelqu'un d'autoritaire, un père. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose où, il va falloir guérir aussi. Penser des plaies, on parle de guérison dans une famille, par rapport aussi à des liens de sang, un âme sœur, une histoire aussi d'ancêtre, hein, vie de famille, des relations intimes. Il y a quelque chose où on doit guérir aussi pour certains, réparer aussi quelque chose, des choses qui ne vont pas, dans les relations intimes, une vie de famille. Les frères, les sœurs, il y a des choses qui ne vont pas. On parle qu'il y a des choses aussi à réparer. Corriger aussi des erreurs du passé. On dit aussi que il va falloir vraiment aller sur un grand nettoyage parce que pour moi, autour de certaines personnes, on parle vraiment de corruption, de choses corrompues. Donc pour moi, c'est pas bon. Pour arriver, si vous voulez, à avoir une vie équilibrée, hein. Donc vraiment, on parle de pour retrouver un équilibre, que il y a des choses à réparer, une guérison, hein. Il y a des choses qui vont pas. Et on vous dit vraiment qu'il y a, en tout cas, il va falloir mener des actions responsables dans la famille, tout ce qui concerne les liens du sang, l'hérédité, les âmes sœurs, la vie de famille, hein. Bon. Moi, je vous dis ce qui vient, hein. On parle qu'on a envie d'être en paix, hein, et pas dans la violence. Parce que je vois des personnes, je vous dis, on me dit de pas être dans la violence. C'est vrai qu'on parle de la paix, hein, de douceur, de voilà. On parle aussi. On parle de qu'il va arriver une harmonie dans votre vie, un équilibre, hein, une stabilité. Vous allez retrouver un sentiment de bien-être. Il y a des conditions qui sont favorables pour cela, pour être en paix dans votre vie. Même par rapport à ce que je disais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est corrompu. On parle vraiment de corruption. Donc, on parle qu'il va falloir vraiment être sur réparer des choses, corriger des erreurs du passé. Nettoyer tout ce qui est corruption, ou si c'est vous, mais vraiment nettoyer pour avoir réinstallé dans votre vie un équilibre, mener des actions comme des adultes. Parce que c'est pas forcément qu'on est adulte que des fois on mène des actions responsables, hein. Donc après, moi je dis ça, je ne dis rien. Mais on parle qu'en menant des actions responsables, vous allez retrouver une harmonie dans votre vie, la paix, l'équilibre, la stabilité et le sentiment de bien-être. Il y a
Il y a une évolution. Voilà, il y a une évolution qui arrive. On parle aussi de stabilité, de gain de confiance qui vient à vous, hein. Il y en a aussi comme s'ils allaient accepter des choses, relever des défis. Hein, on parle de ça. C'est plutôt prospère. Il y a aussi quelque chose qui va vous faire. Vous allez. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a, on parle qu'il va y avoir évolution professionnelle, une promotion, vous allez avoir davantage de reconnaissance professionnelle, mais aussi dans votre vie privée. Alors là, on te dit, on parle d'une famille où pour moi il y a un excès. Il y a quelque chose dans des familles, on parle d'excès. On parle de stress familial. Alors, il y a des surcharges, il y a un épuisement, il y a quelque chose aussi qui va obséder ou qui vous obsède. Hein? Il y en a, on parle aussi de gloutonnerie, qui mange, qui mange, qui mange. Il bouffe quoi. Il mange, il mange. Il y a quelque chose, un fardeau, des inquiétudes. Il y a un point, quelque chose aussi, un point qu'on parle de point de rupture. Ça peut être sentimentalement, hein, quelque chose qui vous stresse, des surcharges professionnelles, une obsession à la famille, des frères, des sœurs. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais il y a quelque chose dans une famille où on parle de stress. De stress familial, de stress au niveau de l'hérédité, trop de surcharges, on est épuisé. Par rapport à une vie de famille aussi, il y a les rapports, il y a aussi les rapports, les relations intimes, ce qui veut dire tout ce qui est la sexualité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la sexualité. Ça peut être une obsession par rapport à un âme sœur, hein. Aussi, ça peut être également un couple où, il y a des problèmes au niveau de relations sexuelles, être aussi des célibataires, hein. Des célibataires qui sont dans le stress parce que ça ne va pas, ça fait des problèmes dans la famille, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a du stress, il y a trop de charges, trop de surcharges, il y a un épuisement, une obsession, en plus on parle, il y en a, ils font que manger. Voilà, en parlant de ça, il y a une source d'inquiétude familiale, l'hérédité. Alors, l'hérédité, ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être ta sœur, ça peut être ton frère. Voilà, hein, il y a quelque chose qui va pas. On parle aussi par rapport à des ancêtres. Donc, il y a beaucoup de choses pour moi qui vont pas. Puis ça peut être aussi par rapport au pro, parce que on parle d'évolution, toujours on est poussé vers le haut, vers le haut. Il y a une évolution constante, on va accepter des défis, on parle de reconnaissance, on parle de promotion et d'excès en même temps. Et c'est vrai qu'on parle d'arriver à trouver une harmonie, un équilibre peut-être entre trop trop c'est trop quoi, essayer d'équilibrer. On parle qu'il faut arriver à trouver la paix, une harmonie, un équilibre, une stabilité entre une évolution constante et un excès aussi. Donc on parle professionnel aussi. Le stress, les surcharges dans le travail, l'épuisement, on est obsédé. Alors il y a le travail, mais il y a aussi la vie de famille. La vie de famille, les enfants, la descendance. Âme sœur, il y en a en plus. Alors attendez, il y en a, ils ont une vie de famille, il y a des enfants, il y en a pour moi, malgré le fait qu'ils sont des enfants, le couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on parle d'un point de rupture familiale, le couple, les enfants et... Pour certains, il y a quelqu'un d'autre. On parle d'âme sœur. Donc tout ça
fait que si vous voulez la famille, le couple qui, alors la famille, le couple, il y a quelqu'un d'autre pour certaines, d'accord? En plus, j'ai l'impression qu'il y a un souci, les relations intimes dans le couple, l'âme sœur qui doit être je sais pas où. Alors en plus, alors ça stresse, on est, il y a une surcharge dans la famille, ce couple qui va pas, les enfants, la descendance, machin. Pour ceux qui sont en couple, là, il y en a. Donc, tout ça, ben, le stress, il y a trop de choses, il y a l'épuisement, il y a une obsession aussi par rapport à une âme sœur. Dans certains cas, il y en a, ils mangent, ils vivent aussi la famille et le couple, et patati patata, c'est un fardeau. On s'inquiète quand même, parce que oui, il y a la famille, il y a les enfants, le machin, mais ça va pas. Et c'est vrai qu'on parle d'une famille qui est en point de rupture, hein. Donc une famille, pour moi, il y a des soucis qui arrivent, le couple, on parle de point de rupture, les enfants, et puis je vois quelqu'un d'autre. Un âme sœur qui est là, qui va arriver. Et puis, il y a le travail, pour certains. Pareil. Vous voyez, il y a trop. Il y a le stress dans le travail, on est surchargé, on est épuisé, parce que on veut évoluer, hein, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y en a en plus, voilà, et c'est le fardeau. Hein. Même au niveau du travail, c'est comme si, à un moment donné, vous alliez arriver à un point de rupture. Hein. Parce qu'on te dit qu'il faut que tu arrives à harmoniser les deux. On parle aussi que, je continue, il y a quelque chose. Alors, il y a du stress par rapport à des surcharges dans le travail. On parle d'obstacles, des choses qui arrivent et qui te bloquent. On parle que du coup, tu es frustré parce que tu n'y arrives pas, parce qu'il y a des difficultés. Tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver. Que tu es impuissante, hein, face à tout ça. Et tu luttes malgré le stress, malgré la surcharge. Hein. Tu luttes, mais tu as un sentiment d'être comme en point de rupture, tu es découragé. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Il y a aussi quelque chose où, comme si toujours tu te sentais retenu. Ce sont des personnes qui pensent pouvoir gérer leur vie seules, hein, voilà. Ce sont des personnes qui, pour eux, ben, ils s'autosuffisent, voyez. Mais le problème, c'est que ben, malheureusement, des fois dans la vie, tu as besoin d'aide, que ça soit que ça soit dans la famille, que ça soit dans le travail, voilà. Et pour moi, ce sont des personnes qui pensent s'autosuffire, voyez. Bon. Donc on parle aussi que le pire, c'est qu'il y a des choses vraiment qui les frustrent, parce que ce sont des personnes pourtant qui préparent très bien les choses, hein, que ça soit dans la famille, que ça soit dans le travail. Ce sont des personnes vraiment qui sont très minutieux ou minutieuses, qui préparent bien les choses, mais il y a, ça va pas, ils n'arrivent pas. Moi, on parle de stress, de surcharge, d'épuisement, il y a des obsessions, on mange, il y a le fardeau, bon. Pour moi, ça ne va pas. Hein. On parle de personnes qui sont très ingénieuses ou ingénieuses, hein, mais il y a toujours des choses qui vont pas. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, dans cette situation, pour moi, il y aura une progression, il y aura des avancements, mais ils pensent pouvoir toujours ben, gérer ça. Hein, ils sont dans une toile d'araignée, voilà, et bon, ben, pour des obstacles, voilà. Mais ça va progresser, mais bon, voilà. C'est comme aussi si vous voulez, il voulait obtenir, ou alors ça peut être dans le travail. Ça peut être dans le privé, mais obtenir toujours la reconnaissance de quelqu'un, l'appréciation aussi. Ils veulent vraiment s'accomplir, ils veulent aussi accélérer des choses. J'ai l'impression aussi que il va avoir une progression par rapport à une forme de
corruption, quelqu'un qui a été corrompu, il va avoir un avancement par rapport à de la guérison, à réparer des choses, à corriger aussi des erreurs du passé, j'ai l'impression, par rapport à la famille. Moi, pour moi, il y a des choses qui vont avancer. On va progresser aussi, on va retrouver un équilibre. Je pense aussi que vous allez faire du ménage dans votre vie, au niveau de la famille, du travail, bon, pas mal de choses. Voilà. Il y a quelqu'un qui... quelqu'un qui pense vraiment s'auto-suffire. Quelqu'un qui a vraiment une force de caractère. Quelqu'un qui veut vraiment l'harmonie dans sa vie, mais autour de lui ou d'elle. Il y a quelqu'un qui est assez autoritaire. De toute façon, pour moi, il y a des choix, direction. Pardon, attendez, parce qu'il y a autre chose qui va tomber. Il y a des choix. Franchement, pour moi, il y a des choix qui arrivent parce que franchement, ça va pas. Je veux dire, on peut pas. Il y en a, ils pensent s'auto-suffire, mais c'est pas vrai. On est seul, des fois, et c'est pas possible, quoi. Moi, il y a quelque chose qui quelqu'un vraiment qui a vraiment du caractère, quelqu'un qui ressort vraiment autoritaire, que ça soit un homme ou une femme. Je vois des personnes qui vont, je vous dis, oui, ils avancent, hein, évolution, mais il y a vraiment ce truc de stress familial, travail. J'ai l'impression aussi que oui, on a une force de caractère, il y a quelqu'un vraiment, mais on va avoir un éveil. Je vois un éveil, quelque chose qui va faire, il y a un choc qui arrive, on parle il va avoir vraiment un bouleversement dans la vie de certaines personnes, on parle de grosses crises. Quelqu'un vraiment qui est où? Qui a une influence aussi. Alors c'est quelqu'un qui influence les personnes autour de soi. Ça peut être la personne qui influence les autres ou c'est interchangeable. Mais il y a de ça. Moi, je vois vraiment quelque chose comme si il allait avoir concernant cette situation où je vois quelqu'un vraiment qui est très autoritaire, qui a une influence sur une ou plusieurs personnes, quelqu'un en plus qui a vraiment confiance en soi, quelqu'un qui pense avoir une puissance aussi. Il y a vraiment quelque chose où quelqu'un va comprendre et va s'éveiller, mais c'est vrai qu'on parle d'un choc, hein. Il y a un gros choc qui arrive, une forme de crise. Quelque chose qui va bouleverser la vie de certaines personnes. Et je vois des changements assez importants, justement par rapport à quelqu'un qui pense avoir du pouvoir. Hein. Il y a vraiment un réveil en chapeau de roue qui arrive. Après, moi, je dis ça, je dis rien, mais on parle de ça. Ça peut être aussi... une grosse dispute, des grosses disputes, hein. Ouais, ça peut être ça, hein. Bon, on me parle de ça. Vraiment, on va prendre un réveil, quoi, hein, vraiment. Vois un homme. Je vois un homme qui va avoir des projets, hein. Qui va avoir des projets, il y a beaucoup de choses, hein. Je vous en parlais, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà. Hein. Parle de cadeaux qui arrivent, donc c'est cet homme qui va recevoir un cadeau,
cet homme qui va recevoir un cadeau, cet homme qui va faire un cadeau. Mais moi, je vois du changement. Bon, j'ai pas. Il y a un excès, c'est trop, il y a le stress, surcharge. Voilà, hein, pour moi, il y a du changement. Il y a des chances, il y a la chance, il y a de belles opportunités. Voilà. Y a aussi quelque chose. Hein. Il y a quelque chose aussi. Je parlais de d'un père. Y a quelqu'un aussi qui est au ciel, mais il y a un père. On parle d'obstacles, des choses à chaque fois qui bloquent ces personnes. On va se sentir toujours frustré par ces difficultés. On va avoir vraiment l'impression de devoir lutter. C'est décourageant. Voilà, des choses comme ça, hein. Donc là, on parle de cadeau qui va arriver ou par courrier. Ça peut être un écrit, quelque chose qui va vous faire plaisir. On parle de cadeaux aussi par rapport à des appels, par rapport à des échanges. Ça peut être aussi un email, ça peut être aussi des conversations sur Internet. Bon, il y a aussi quelqu'un qui culpabilise. Il y a une culpabilité par rapport à un cadeau. On a honte. Il y a quelqu'un qui a un sentiment ou qui va avoir un sentiment de honte concernant un cadeau. Voilà. Et le jugement concernant un cadeau. Y a vraiment une instabilité, hein. Il y a vraiment une instabilité, un sentiment de culpabilité. C'est comme si quelqu'un dans sa vie, au niveau de l'esprit, de l'intellectuel, on jugeait quelqu'un, on allait tout le temps juger quelqu'un, vous voyez, le faire culpabiliser, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Il y a aussi comme si on jugeait et on essayait aussi, concernant son physique, pareil, même au niveau de son émotionnel. Hein. Instable, on n'est pas bien, quelqu'un ne va pas être bien. Voilà, toujours à juger une personne et cette personne est mal dans sa vie. Hein. C'est pas voilà où il ou elle va parce que toujours c'est des reproches. Je pense des tas de choses. Bon, voilà. Donc, on parle. Que concernant, je vous parlais, la famille, le travail, tout ce qui est l'excès, le stress, les surcharges, l'épuisement, les obsessions, les gens, il y a aussi des personnes qui font que manger, on s'inquiète. Bon, je vous ai expliqué depuis le début. Bon, concernant tout ça, de toute façon, il y aura évolution. Pour moi, il va avoir un point de rupture. Ça ne pourra pas rester comme ça. Ça va être lent, mais ça pourra pas parce qu'il y a trop de surcharges. Et là, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va faire évoluer. Alors, c'est ou un gros choc que vous allez comprendre quelque chose, ou quelque chose qui va vous arriver. Mais on parle de crise, de gros bouleversements. Hein. Il y a des choses qui vont arriver, quelque chose d'imprévisible qui va vous faire évoluer dans votre vie. Donc là, j'ai un couple. Voilà, j'ai des personnes. J'ai quelqu'un qui. Je vois quelqu'un de très. Comment vous dire? Je vois deux personnes. Je vois un homme, je vois une femme. Il y a énormément de jalousie, ou qui est là, ou qui arrive. Voilà. Je vois un couple où beaucoup de force, de la ténacité dans cette relation, deux personnes. Vraiment dynamique, sympathique. On parle d'un père, on parle d'une femme. Bon, mais il y a quelque chose concernant ces deux personnes. Pour moi, il y a de la jalousie qui va arriver. Il va avoir des obstacles sur eux, des choses qui vont vraiment les frustrer. Avoir l'impression d'être, de devoir lutter sur cette relation. Vous voyez, vraiment, on va être découragé. Mais je vois quelqu'un, il y a quelqu'un
si vous voulez, par rapport à ces deux personnes. Il y a quelqu'un qui va avoir vraiment de mauvais œil votre relation, ou ça va arriver. Vous voyez? Il y a vraiment ce truc de jalousie sur un couple, là. Bon. Mais pour moi, il y aura évolution. Il y a vraiment quelqu'un qui ressort très autoritaire. Il dit quelqu'un qui pense être très puissant. Moi, je vois quelqu'un qui... Il y a un choc, un bouleversement. Je vois quelqu'un, par contre, je vois donc ce couple qui s'aime, qui va s'aimer. Mais par rapport à la mauvaise personne, là, que je vous dis, c'est très étrange parce que il y a quelqu'un, on parle que c'est vous, ou c'est la personne avec qui vous êtes, à vous, avec qui vous serez, qui a quand même, il y a un sentiment quand même de crainte par rapport à cette personne. Mais en même temps, c'est dingue, il y a une forme d'inspiration vis-à-vis de cette personne et un respect. Mais pour moi, il y a des changements par rapport à tout ça. Il y aura une évolution. Bon, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Ouais, il y a vraiment une prise de décision. Y a vraiment une prise de décision parce que vraiment trop de jalousie. Hein. Je vois quelqu'un, je vois vraiment vous, la personne, et il y a une décision par rapport à cette personne qui est mauvaise ou mauvaise. Bon. Aussi ces personnes là, qui pensent s'autosuffire, voilà, dans leur vie, vont prendre des décisions, ça pourra pas rester comme ça. Donc là, j'ai une famille, j'ai comme si de la jalousie dans de la famille, je vois ce couple là qui s'aime, mais de la jalousie dans de la famille, de la descendance, quelqu'un qui voit ou qui va avoir de très mauvais œil, ce couple, hein. Il y a aussi une grosse jalousie ben, par rapport au couple, par rapport à de l'argent. D'accord? Il y a une famille aussi pour moi. Une famille, et puis la famille en général, les enfants, tout ça, on parle qu'il va falloir, il y a vraiment quelque chose aussi en lien avec de l'argent, où on parle vraiment de travail sur eux, vraiment, ou de la corruption. Il y a des choses qui vont être réparées, on va guérir, on va corriger des choses du passé par rapport à quelqu'un de très mauvais. Vous allez vraiment retrouver une famille qui va retrouver un équilibre familial, ce couple qui va être très heureux. Moi, je vois une famille qui va mener vraiment des actions responsables, hein, concernant la jalousie, quelqu'un dans la famille, les enfants. Enfin, moi, pour moi, il y a des choses qui vont être faites. Ah ouais, on va être tranquille. Hein. Vous allez être tranquille, mais alors tranquille. Hein. Hop, punaise. Alors là, je vous explique. J'ai l'impression qu'on va avoir un choc. Hein. Il y a quelqu'un qui va avoir un choc. Alors, c'est quelqu'un qui va s'éveiller. Vous savez qu'on parle aussi du travail. Donc moi, au niveau du travail, il va y avoir des avancées. J'ai l'impression que... Alors, si vous n'avez pas encore de travail, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se conclure. Un accord. Hein. D'accord? Il y a un accord, vous allez avancer. Pour certains, j'ai l'impression que, par contre, vous allez vous rendre compte que où vous travaillez, peut-être, c'est pas ce que vous désirez. Donc, je vous vois essayer de trouver un accord, vous allez le trouver, hein. Je vois vraiment que vous allez réaliser des choses par rapport au travail. J'ai l'impression que une prise de conscience, vous voyez, au niveau pro, hein. Moi, je vois du changement. Hein. Il y en a qui changent de travail. Il y en a qui signent quelque chose, un nouveau contrat. Mais c'est vrai qu'il y a un excès. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on parle aussi d'un réveil en fanfare. D'un réveil en fanfare. Il y a quelque chose où on va comprendre un choc hein, pour J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir un choc. Ça peut être aussi dans un couple.
je parlais de choses qui n'allaient pas. Un réveil en fanfare pour quelqu'un qui va vouloir, quelqu'un qui en a marre de se faire contrôler, hein, voilà, et qui va vouloir sortir de ça. On trouve un accord, on va vouloir évoluer. Donc c'est pour ça que je vois vraiment, je vois la jalousie de quelqu'un. Pour la jalousie de quelqu'un, en tout cas pour certains. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, au niveau du travail. Pour moi, c'est trop. Voilà, c'est trop. Il y a de l'excès, c'est trop, les surcharges, puis il y a la famille. Pour moi non plus, ça va pas. En plus, on parle d'une famille. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se méfie beaucoup, de personnes dans la famille. Il y a des ruses, on se méfie, même dans les liens du sang pour certains, l'hérédité, la vie de famille, il y en a, ils se méfient, ils n'ont pas confiance. Bon. Donc moi, je vois vraiment des changements. Moi, je vous vois en couple avec quelqu'un. C'est comme s'il y a quelque chose qui allait revenir dans votre vie. Je vous vois en couple avec une personne et beaucoup de jalousie. Donc, j'ai l'impression que au niveau d'un couple, là, je vous vois avec quelqu'un. Dans certains cas, j'ai l'impression qu'il y a dû avoir séparation, quelque chose, un éloignement. Donc, pour moi, on trouve un accord. J'ai l'impression au niveau d'un emploi où c'est pesant. Donc, j'ai l'impression qu'on va trouver un accord au niveau du travail, on va avoir moins de stress, un travail plus tranquille, hein. Donc, moi, je vois des changements. On va évoluer, certes, au niveau professionnel, mais j'ai l'impression qu'on va vouloir du changement. D'accord? J'ai l'impression que, au niveau du sentimental, moi, j'ai l'impression que on va trouver vraiment un accord dans sa vie professionnelle et sentimentale. On va vouloir quelque chose de plus tranquille, parce que là, vraiment, c'est trop pour certains. Donc moi, je vois vraiment que on va trouver un compromis dans une relation. Je vois avec quelqu'un, hein, on va trouver un accord. Mais j'ai l'impression que, donc déjà, la personne, il y en a une qui va vouloir, comme si on allait vouloir être plus tranquille dans le travail. Donc, pour moi, il y a des changements. On va trouver un accord dans le travail avec quelqu'un au travail. Hein. Mais il y a vous aussi. J'ai l'impression que de chaque côté, on va vouloir quand même une vie plus apaisée dans la relation et moins de stress dans le travail. Donc, j'ai l'impression que vous et la personne, déjà, vous allez en parler dans le futur. Déjà, trouver un accord dans la relation, puis au niveau professionnel. Hein. Je vous dis, il y en a, ils ont l'impression de s'auto-suffire, mais moi je vous dis, il y a une prise de décision. J'ai l'impression qu'ils vont trouver un accord justement au travail, hein, à négocier, que ça soit plus allégé. Il y a un truc qui change. Donc de toute façon, moi, au niveau du sentimental, du professionnel, il y a vraiment il y a des gros changements. Je vois des gros changements sur une relation. On va sur du changement, des ouvertures. On parle du soleil. Hein, donc voilà. Donc voilà, ben, je vous fais de gros coucous et je vous dis à bientôt. Bye bye.